Je m'appelle Catherine Richard, je suis graphopédagogue à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. J'aide les personnes à se sentir plus à l'aise avec leur écriture. Professeur des écoles de métier, j'ai enseigné pendant 16 années. C'est en cherchant des solutions pour mes propres élèves que j'ai découvert la graphopédagogie. Il s'agit du réapprentissage de l'écriture manuscrite. J'ai constaté que les élèves qui s'amélioraient en écriture progressaient également dans les autres domaines d'apprentissage. Même si le numérique a envahi notre quotidien depuis un certain nombre d'années, l'écriture doit toujours faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans le domaine scolaire. Des études ont montré que l'apprentissage de l'écriture était étroitement lié à l'apprentissage de la lecture. De plus, on sait que écrire à la main favorise nettement la mémorisation. J'ai ainsi décidé de me consacrer à la graphopédagogie pour venir en aide au plus grand nombre. J'ai appris ce nouveau métier auprès de l'association 5E qui est spécialisée dans l'apprentissage de l'écriture pour les élèves, les étudiants, les enseignants. Le réseau 5E forme les graphopédagogues indépendants qui exercent en France et à l'étranger. D'ailleurs, chacun peut, en parcourant mon site internet ou celui de l'association 5E, trouver un professionnel qui saura l'accompagner dans son secteur géographique. Dans cette évolution professionnelle, j'ai été très bien accompagnée par Le Cerf France dans les démarches administratives et juridiques. Johan Puron, mon premier interlocuteur, m'a donné les informations nécessaires pour faire des choix réfléchis lorsque j'ai ouvert le cabinet costarmoricain de graphopédagogie en 2021. J'accompagne les élèves de tout âge. En effet, le graphopédagogue intervient par exemple auprès des enfants qui sont en difficulté dans l'apprentissage de l'écriture, qui n'arrivent pas à écrire entre les lignes ou qui ont du mal à se repérer sur une page de cahier. Il y a aussi ceux qui doivent modifier leur tenue de crayon car elle entrave le geste de l'écriture. J'interviens également auprès d'adolescents qui sont pénalisés car les professeurs n'arrivent pas à les relire, ou il y a ceux également qui n'arrivent pas à suivre le rythme des cours, à finir leurs évaluations dans les temps, parce que écrire leur est fastidieux. Enfin, le graphopédagogue intervient également auprès des adultes, des seniors, qui doivent réapprendre à écrire suite à un accident de la vie. Il y a aussi les adultes qui sont pas très fiers de leur écriture, qui sont complexés parce que l'écriture ne reflète pas leur tempérament. Et enfin, il y a ceux qui doivent reprendre leurs études ou passer un concours, voilà, qui peuvent aussi rencontrer un graphopédagogue pour s'y préparer. La première séance permet de faire le point sur les difficultés et de définir les objectifs que l'élève souhaite atteindre. J'observe la personne en train d'écrire et nous regardons ensemble aussi les écrits qui ont été apportés de la maison. Donc par exemple, pour les enfants, ça va être les cahiers d'école. En moyenne, il faut entre 5 et 8 séances pour obtenir des résultats, mais chaque accompagnement est personnalisé. Les séances sont espacées de 3 à 4 semaines, sauf les deux premières qui sont plus rapprochées. Dans cet intervalle de temps, l'élève va s'entraîner à reproduire des exercices qui ont été faits en séance. Ces entraînements prennent une dizaine de minutes selon l'âge et ils sont ludiques dans de nombreuses situations. Mais ces entraînements font partie intégrante de la méthode de la graphopédagogie car ils permettent au cerveau et au corps d'assimiler les nouvelles habitudes. Pour les enfants et les jeunes adolescents, la présence d'un des parents est indispensable. En effet, il doit voir et entendre tout ce qui se passe lors de la séance afin de mieux l'accompagner à la maison. Donc tous les trois, nous formons une équipe pour la réussite de l'élève. L'objectif est d'automatiser le geste afin que l'écriture devienne ou redevienne lisible, fluide et confortable. Mais on observe des bénéfices dans d'autres domaines. En effet, un enfant, par exemple, qui va pouvoir se relire, va mieux voir ses erreurs et il va, par exemple, progresser en orthographe.
Il y a aussi le fait que quand le geste d'écriture est automatisé, eh bien la personne n'a plus besoin de mobiliser ses fonctions cognitives pour écrire, et du coup eh bien ça va être plus facile en fait de se concentrer, notamment sur les apprentissages. De ce fait, eh bien les adolescents ou les enfants vont mieux comprendre eh bien ce qu'ils vont recopier, puisqu'ils sont bien concentrés sur le contenu et non plus sur la forme. Enfin, on observe aussi eh bien, des enfants qui arrivent au cabinet un petit peu renfermés, ils n'ont pas confiance en eux, parce que eh bien, il y a cette difficulté à surmonter au quotidien. Et finalement, au fil des séances, eh bien, ils s'épanouissent, ils prennent confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes eh bien, est améliorée, parce qu'ils sont fiers en fait, des progrès qu'ils accomplissent. Le message que je voudrais faire passer, c'est que rien n'est figé, il n'est jamais trop tard. Que ce soit dans le cadre d'une évolution professionnelle ou dans le domaine de l'écriture, avec la volonté, tout peut changer.